Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un big haul. Ouais, je blague pas. J'ai littéralement craqué mon slip dans mon vlog. Je suis en train de faire un vlog. Je sais pas s'il sera déjà sorti avant cette vidéo ou pas. Donc je sais pas, mais dans le vlog, en tout cas, je vous ai dit que j'étais partie faire les magasins. Et j'ai craqué quoi. J'ai craqué chez Zara, Bershka, Forever 21, Zalando et Public Desire. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti! On va commencer avec. Ça dépasse. Avec Zara. Alors chez Zara, j'ai juste trouvé deux articles, dont un, mais je suis trop 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 fan. Alors j'ai trouvé. J'ai laissé les prix et tout, franchement, je me félicite moi-même. J'ai essayé pour savoir si tout m'allait parce que je déteste essayer en cabine, donc j'ai tout essayé chez moi. Mais j'ai essayé les prix, j'ai rien enlevé du tout, comme ça au moment je pourrais vous les dire. Donc j'ai craqué pour ce bomber. Je vais vous montrer les articles portés de toute façon. Pour ce bomber là, donc il est noir, tout simple, avec l'intérieur en vert. Et ça, je trouve ça cool parce que d'habitude c'est toujours en noir, en orange, ou enfin bref, et là je trouve que vert ça change et puis ça va un peu avec la tendance du moment, un peu néon, vert, tout ça. Donc franchement j'adore. Il est coupé en mode oversize, donc il est hyper large. Et en plus je l'ai pris en taille L pour pouvoir bien mettre un pull ou quoi en dessous, parce que je déteste être étriquée dans mes vêtements ou être serrée. Donc je l'ai pris en L, du coup les manches sont un chouïa trop grandes, mais ça va avec le style un peu oversize, genre t'as piqué le bomber de ton copain, tu vois, ça fait un peu pareil. Donc voilà, je la kiffe trop trop trop. Et franchement, elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté 29,95. Donc pour du Zara, je trouve que franchement ça va. En plus, elle est hyper belle, j'aime trop. Avec des poches sur le devant, tac. Et resserrée à la taille. Elle fait vraiment bomber des années 90, je trouve. Enfin, franchement, je l'adore. Next. Ensuite, toujours chez Zara et toujours à l'envers. Décidément. On a dans le même esprit ce t-shirt là. Donc un peu beige marronné, nude. Avec une petite phrase, marqué quoi? Capture every moment in life. Donc voilà. Et celui-là, il était à 7,95. Et j'ai eu à 5,99. Toujours France Enfant de solde. Donc voilà, je l'ai pris en taille S, 5,99, et je crois que c'est le même prix que... Alors soit ils sont à 7,95, soit 5,99, les petits t-shirts dans le style du jaune que je vous ai montré, je ne me rappelle plus. Bref, donc voilà, j'aime beaucoup, petit t-shirt, tout simple. Pareil, taille... Non, je l'ai pris en taille S parce qu'il n'y avait que cette taille-là et je le voulais trop. Donc, voilà. Ensuite, toujours chez Zara et toujours... Si je fais tout tomber, voilà. Toujours dans cet esprit, t-shirt simple à slogan. J'ai pris celui-là, donc il est blanc avec une inscription en noir. Cures for bad day. Donc avec la définition et tout. J'aime trop quand ça fait ce style-là. Pareil, je l'ai pris en L et il m'a coûté 5,99 ou 7,95, je sais plus. Bref, pas très cher pour du Zara. Donc voilà. Et là, c'est bon. On passe vraiment à Forever 21. Alors chez Forever 21, je me suis pris ce petit t-shirt, j'aime trop. Alors moi, quand j'ai vu que tout était à moins 75%, j'étais comme ouf. Je voulais tout acheter, mais je me suis quand même retenue parce que voilà quoi, je me suis retenue. Et j'ai pris donc ce t-shirt là, que moi je porte perso en pyjama. Voilà, on adore. Donc il y a marqué Dear Santa, All I Want For Christmas, et avec une petite liste. Donc cash, pizza, ice on my chin, video games. Voilà, je le trouve vraiment cool. Je l'ai pris en taille M. Et pour les prix, alors c'est compliqué vu que c'était moins 75%, je pourrais pas vous dire. Mais franchement, ça m'a rien coûté du tout quoi. Franchement, il m'a coûté quoi 3 balles, je crois. Donc si j'arrive à me rappeler des prix, je vous les mettrai là. Mais je pense pas parce que j'ai plus le ticket. Yes, I'm sorry. J'en ai profité du coup chez Forever 21. Pour faire un petit stock de pantalons, de jeans. Donc j'ai pris alors celui-ci. Il n'y a pas la ceinture, mais c'est moi qui l'ai rajouté. Donc voilà, avec des petits trous assez larges au niveau du bas. Pareil que les retroussés. Donc je l'ai pris. Alors moi, j'ai l'impression que je suis un peu toutes les tailles chez Forever 21. Enfin là, c'est du 36.
Oui, il est un choix grand au niveau de la taille, mais parce que moi j'ai le dos incurvé. Genre, enfin, bref, j'ai une taille très marquée et très floup, ouais. Du coup, bah, à chaque fois ça fait un creux, mais bon, ça c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, petit jean tout simple, façon un peu boyfriend, j'aime beaucoup. Pareil pour les prix, je sais pas, mais ça devait pas être plus de 5 euros. Franchement, il n'y a aucun article qui a dépassé 5 euros, ça c'est sûr. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a. Ah bah tiens, je l'ai pris pour celui-là. Alors lui, je l'ai pris en 38, mais il est grand en fait. Donc en fait, je l'ai pris parce que je me suis dit, vu le prix, bon, c'est pas une grande perte quoi. Au pire, je le donnerai à une amie ou j'essaierai de voir avec une grosse ceinture si ça peut passer ou pas. Donc à voir, j'ai pas encore testé. Mais c'est un slim tout simple avec des petites déchirures, mais tout simple. Je crois qu'il y en a que d'un côté. Ouais, et de ce côté-là, il n'y en a pas de ce côté-là. Donc voilà. Pareil que je retrousse. Donc lui, c'est un skinny. Enfin non, c'est plutôt un regulate, je sais plus comment ils appellent ça. Bref, il est moulant, mais pas trop. Je l'ai pris en taille 36, comme je vous ai dit. Et il était à 15 euros, donc moi 75%. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est pas très cher. Donc voilà pour ce pantalon. Toujours chez Forever 21. J'ai pris alors ce skinny là. Bleu jean en fait. En fait, j'ai remarqué, j'ai pris un peu toutes les nuances. Oula, si je me fous de la ceinture dans la gueule. J'ai pris un peu toutes les nuances de gris. Je déconne. Toutes les nuances de bleu jean. Donc voilà. Et celui-là, c'est vraiment un skinny skinny, donc il moule vraiment bien tout mon body, tu vois. Et celui-là, je l'ai pris en taille 34, donc ne me demandez pas, je sais pas, je comprends pas les tailles chez Forever 21. C'est un peu, je les essaye pas, en fait, je les trouve beaux, je me suis dit, on va essayer. Et après, je les essaye chez moi, mais là, j'ai eu de la chance parce que tout me va à peu près, à part le 38 que je vous ai dit qui est trop grand. Mais en fait, je suis entre le 34 et le 38. Enfin plutôt 34-36 et certains modèles en 38. Du coup c'est un peu galère. Bref, je m'étale, mais je prends plus du 34-36 quand même. Donc voilà, donc ce pantalon là, je l'aime trop. Pareil, je la vois qui part en couille. Voilà. Donc pareil, avec des déchirures, moi j'adore les jeans Destroy. Donc voilà, pareil que j'ai retroussé. Donc il est plutôt taille haute celui-là. Je l'ai pris en 34 comme je vous ai dit. Donc voilà, rien à dire de plus quoi. Un pantalon en plus. Ensuite, alors ça c'est vraiment un coup de cœur. C'est une petite veste mais je l'aime d'amour. Regardez-moi cette beauté. Elle est pas trop belle, sérieux. J'ai pas les mots. Elle est trop belle. Bref, ça fait un peu esprit veste de sport que j'aime bien. Franchement, je la kiffe. Pour le printemps-été, franchement, elle est parfaite. Là, je peux commencer à la mettre en veste tranquille. Et franchement, je l'aime trop. Je la trouve trop belle. Il y a trop dans mes phrases. Voilà, j'aime trop. Elle est aux couleurs de la France. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Et je l'ai pris en M. Et à la base, elle était à 28 euros, je crois. Du coup, avec moins 75%, vous comprenez que je n'ai pas pu résister. Sachant que je la voulais déjà. Mais quand j'ai vu que c'était à moins 75%, j'ai fait, toi, tu es avec moi. Ça, c'est sûr. Je m'en fais pas sans toi, il n'y a pas possibilité. Bref, petite veste bien sympatoche. Derniers articles de chez Forever 21, ce sont des jupes. Alors, on a celle-ci. Je vais essayer de fermer pour vous montrer. Parce que vu comme ça... Voilà, pour que vous rendiez compte. Donc une petite jupe, voilà, toute simple, avec des poches sur le devant et derrière. Elle est couleur marron orange, vous savez, un peu, je pourrais pas trop vous dire, c'est un mélange de marron et de orange, j'espère que vous verrez bien, mais j'aime trop. Avec pareil les coutures en surpiqûre, je crois qu'on dit, où on voit les coutures. Donc ça aussi c'est tendance et franchement j'aime trop, elle est trop belle. Petite jupe toute mims. Je l'ai pris en taille S, à la base elle était à 19 euros, donc moins 75% je crois à ma côté.
Je sais pas, j'arrive pas à calculer. Mais pas très cher en tout cas. Donc voilà, petite jupe sympatoche. Et dernier article de chez Forever 21, c'est une autre jupe. Alors je vais pas la fermer parce que flemme, il y a trop de boutons. Mais voilà quoi. Elle est comme ceci, alors c'est une jupe en jean. On dirait, elle est assez basique. Alors il y a plein de boutons sur le devant, ça j'ai bien aimé. Cet effet là, avec plein de boutons, des poches pareil. Et le derrière, ça tue. T'as des arcs-en-ciel sur ton cul. Voilà, j'adore. Pareil, je l'ai pris en S, elle était au même prix que l'autre, -75%, ça m'a coûté rien du tout. Voilà pour Forever 21. Maintenant, on va passer à Bershka, là où j'ai totalement craqué mon slip. J'aime trop leur nouvelle collection, j'aime tout ce qu'ils font en ce moment, j'aime trop. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pareil, en fin de solde, j'ai trouvé ce petit... Cette petite chemisier, t-shirt, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Noir avec pareil les coutures. Avec les coutures blanches qu'on voit. Avec des boutons, vous savez, genre un peu écaille de tortue comme ça. J'aime trop. Et je l'ai prise en M, je crois. Ouais, en M pour qu'elle soit un peu loose. Parce que je voyais trop ça avec un petit boyfriend jean un peu clair et avec des bottes que je vais vous montrer. Je pense que ça peut grave faire un petit flou, t'as vu. Donc voilà, j'aime trop. J'ai plus le prix, mais il me semble qu'elle m'a coûté 7,99€ au lieu de 15, je crois. Donc voilà, c'était en fin de solde. Je vous la montre quand même. Voilà. Ensuite, alors là on passe au vrai craquage. Ça c'est ce que j'ai acheté hier du coup. On a... Désolée pour le père. On a ce petit sweat crop top. Alors rose, rose pâle. Franchement j'aime trop cette couleur. J'en avais pas du tout dans mes fringues. Enfin je crois. J'avais pas du tout dans mes fringues. Et franchement je trouve que ça change. C'est une petite couleur qu'on peut mettre assez facilement. Et ça change un peu des couleurs classiques. Voilà crop top. Tout simple. Il m'a coûté 9,99€. Et je l'ai pris en taille M pour qu'il soit un peu loose. Voilà, ça avec un petit jean, des petites baskets, ça passe crème. Ensuite, alors pareil, j'ai pris plusieurs t-shirts à slogan. J'adore ça. Alors, on a celui-ci avec marqué, oulala, Still in love, et vous avez Continue, Exit. Donc, je trouvais ça assez funny. Il m'a coûté 4,99€, donc rien du tout, et je l'ai pris en taille L. Par contre, pour du L, je le trouve pas hyper long, donc bref, voilà. Mais bon, je voyais qu'il sent un peu oversize, donc ça fait l'affaire. Donc, petit t-shirt tout simple à 4,99€, on adore. And sweet. J'ai pris... Faut que j'arrête de laisser mes articles à l'envers, là. Putain, ça devient bien chiant. Alors, ensuite, on a... Ce t-shirt là qui fait très festival, très Coachella, je trouve, j'adore. Donc ça fait, vous savez, esprit un peu concert, genre date de concert et tout, j'aime trop. Il y a marqué Queer Unraveled, The Last Tour, avec bah, les villes de la tournée, tout ça. J'aime trop avec, vous savez, plusieurs couleurs. C'était ce motif là, on le retrouvait souvent sur Tumblr, je trouve, à l'époque. Bref. J'aime beaucoup. Et le dos. Plein de couleurs. Je trouve que ça fait très été, très festival. Franchement, j'aime trop. Je l'ai pris en taille L pour qu'il soit un peu loose et pour pouvoir le rentrer dans un petit jean. J'aime trop faire ça. Et il m'a coûté 12,99€. Voilà. Je présente les articles, mais tellement bien, franchement. Ah oui, ça vous donne envie d'acheter quand je vous montre ça comme ça. Bref. On a, pareil, un autre t-shirt à slogan. T-shirt blanc avec, vous savez... comme ce qu'on peut retrouver sur internet. La marquée The Weeknd of the Reboot, Your Life Now, To Continue, Press Enter. Bref, voilà, j'adore. Pareil, je l'ai pris en taille L. Moi, j'ai là, je l'ai pris en taille L parce que j'aime bien quand c'est un peu oversize. Il m'a coûté 7,99€, toujours de chez Bershka. Petit t-shirt tout simple. Voilà, dans un petit jean, pareil, on adore. Un body. J'ai pris, alors attendez, je vais remettre à l'endroit, ce body là.
Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de pression. Donc, quand tu veux faire pipi, bah, tu dois te dessaper en fait. Donc, ça, c'est un peu chiant. Mais bon, il est trop beau. J'aime trop. Un peu col arrondi. Enfin, bref, vous avez compris. Mais le plus beau, c'est le dos. J'ai mal à la gorge. C'est le dos. Vous voyez ? Oh, c'est trop mousse. J'aime trop. Il m'a coûté 9,99 et je l'ai pris en taille M. C'est tout pour le premier sac. Il y en a un deuxième. Quand je vous dis que je kiffe les cargos, je vous mens pas. J'ai pris 3 cargos. Voilà. Alors, ça, c'est de la nouvelle co. On a ce cargo-là. J'essaie de le fermer parce que... Ce petit cargo-là. Tac. Alors, ce que j'aime bien, c'est que... Vous voyez, vous pouvez régler comme vous voulez au niveau de la cheville. Donc ça, c'est cool. J'aime trop ça. Pareil, avec des poches sur le côté de pression. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit anneau. C'est le petit détail qui tue, tu vois, le petit truc en plus. Donc voilà, il est comme ça au dos. J'aime trop, franchement, j'adore. C'est leur nouvelle collection, je crois, et j'aime beaucoup trop. J'ai pris en taille 34 et il m'a coûté 25, je crois, même. Comme ça. Oh non, oh, je suis chouque. Il m'a coûté 19,99. Donc franchement, pour un petit cargo, je trouve ça, mais franchement, c'est le prix, c'est largement correct. Voilà, il existe en rouge, en noir, en kaki et en blanc. Et j'ai pris, bah, jamais un sans deux. J'ai pris le même en noir, donc un basique, ça va avec tout. C'est le même, 19,99, toujours en taille 34. Donc voilà, j'adore. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers, donc pour les petits cargos, c'est cool. Et le dernier, alors je l'ai sur moi, je vais vous le montrer. Alors, c'est un cargo style militaire, vous voyez, en nuance de vert beige gris un peu là. Voilà, que j'aime trop. Cargo simple quoi, avec des poches au niveau des cuisses et à ce niveau là comme d'hab. Voilà. Celui-ci par contre il m'a coûté plus cher, il m'a coûté 25,99 je crois. Ouais, il me semble que c'est... Bah attendez, j'ai l'étiquette. Ouais, 25,99. Donc voilà pour les cargos. Alors là j'ai totalement ouais. Copié sur Cindy DSLV. Là j'ai fait ma grosse mouton. Elle a posté une photo sur Instagram avec un outfit que... Mais j'ai trop kiffé. Du coup, bah, j'ai acheté exactement les mêmes habits pour faire exactement le même outfit. Même si les deux, je vais aussi les porter de manière différente. Mais franchement, son style m'a vraiment bien... M'a plu, quoi. T'as vu, j'ai kiffé. Donc, on a ce petit sweat. Alors, la matière, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Mais c'est tout doux, franchement, j'aime trop. C'est un peu dans le même esprit que le sweat jaune pâle que je vous ai montré. Sauf qu'il a un petit col cheminé que j'aime beaucoup aussi. Crop. Et il est vraiment oversize celui-là. Donc avec les manches qui retombent un petit peu. Je l'ai pris en taille S, je crois. Ouais, taille S. Et il m'a coûté 15,99. Donc voilà. Et ça, c'est un basique, je trouve. C'est une couleur un peu beige, nude. J'aime trop. Et pour aller avec, j'ai pris donc ce pantalon. Alors, voilà. Non, je déconne. Le bas, en fait, c'est un pantalon évasé, en fait, vous voyez. Ça fait un peu pas de def à la fin. Et la matière, c'est... Elle est élastique, mais vous savez, avec des petites rayures, je sais pas comment... J'arrive pas à la décrire, cette matière. Peut-être qu'il y a marqué ce que c'est là-dessus. Viscose et d'élastane. Vous voyez, c'est très élastique et tout. Je l'ai pris en taille 34. Enfin, XS quoi. Et il m'a coûté 17,99. Et franchement, j'aime trop. Alors par contre, je l'ai essayé hier. Et je sais pas si c'est parce que c'était soir et que du coup, j'ai allumé toutes mes lumières. Mais j'avais l'impression qu'il était vachement transparent. Genre, on voit tout ton string, ta culotte, ce que tu veux, on voit tout. Donc à voir, je vais le réessayer en journée pour voir ce que ça donne. Mais là j'ai un peu peur, donc à voir. Au pire vous mettez, vous savez, des sous-vêtements couleur chair et tout. Mais bon, c'est un peu chiant quoi, si on voit ton boule et tout. Voilà quoi, bof. Et j'imaginais trop cet outfit là avec mes falcons que je porte tout le temps.
voyais trop ce combo-là. Je croyais que ça pouvait faire un petit style sympa. Maintenant, on va passer aux chaussures. Alors, sur Zalando, j'ai craqué pour 3 paires de bottines. 2 qui viennent de chez Public Desire et une d'autre marque. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, les premières, ce sont celles-ci. Ce sont des bottes, vous savez, à talons assez épais. Il n'y a pas de plateforme devant, par contre. Mais elles sont hyper confortables. C'est un peu esprit vinyle comme ça. J'aime trop, trop, trop. Et c'est, je sais plus c'est quelle marque celle-là par contre. Mais c'était sur Public Desire. C'est l'amour. C'est la marque Glamorous, je crois. Ouais, Glamorous. Voilà, je les ai pris en 39. Je les prends toujours un peu plus grandes parce qu'au niveau du bout, après moi ça me fait trop mal. Du coup voilà. Elles m'ont coûté moins de 25€ bah, pendant les soldes. Donc voilà. Je les kiffe trop. Chez Public Desire, enfin toujours sur Zalando mais de la marque Public Desire, j'ai craqué pour deux styles de bottines. Alors les premières ce sont celles-ci. Tac. Alors elles sont couleur beige nude. J'aime trop. Pareil avec un talon assez épais. Moi je kiffe ce genre de talon. C'est hyper pratique à marcher. Voilà, t'es bien. À voir qu'il n'y a pas de plateforme et voilà. À bout pointu. Alors de base j'aime pas trop les bouts pointus. Mais là je sais pas, j'aimais bien. Donc voilà, à lacets. Je les trouve trop trop belles. C'est la marque Public Desire. Elles m'ont coûté 24€ je crois. Donc voilà. Et là je vous dis les prix, mais en plus de ça, j'avais un code promo. Donc le tout ça m'est revenu à moins de 50€. Enfin bref, la bonne affaire quoi. Et ensuite on a celle-ci. Donc elles sont blanches. Voilà. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est ce talon qui est, vous savez, un peu... enfin pas droit. J'aime beaucoup quand ça fait cet effet. Ça fait un petit détail que j'aime beaucoup. Voilà, avec petit zip. Petit détail, alors me demandez pas trop à quoi ça sert. J'ai juste trouvé ça beau. Des petites bottines blanches, j'en avais pas, donc c'était l'occasion. Voilà, à mon côté, pareil, 24-25€ je crois. Toujours avec mon code promo en plus, donc bah, je vous dis, c'est limite, en fait j'ai eu une paire gratos en fait. Ça y est, c'est la fin de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez craqué pour certains articles que j'ai achetés, ou si justement vous allez craquer à cause de moi. I'm sorry. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram, je suis très active, je poste souvent des looks, des photos, des petites stories, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre. J'ai aussi créé un compte sur 21 Buttons. Vous savez, c'est l'appli hyper tendance où vous pouvez retrouver les looks et acheter les pièces. Donc voilà. Mon nom dessus, c'est Lovely Morgan. Je vous mettrai pareil tous les liens en barre d'infos. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous.